Des anciens présidents écrivains. Point d'exclamation. La boîte à archives. Ce lundi 4 juin, Julien Tarnot revient sur les œuvres des anciens présidents, américains ou français, écrivains. L'ancien président américain Bill Clinton a coécrit son premier roman The Prosody Missing avec le maître du suspense Jim Patterson. La chaîne télévisée Showtime en aurait entre autres acheté les droits. A noter que l'ancien président a déjà publié 4 mémoires, mais il s'agit de son premier roman de fiction. Par ailleurs, Jimmy Carter avait aussi écrit un roman, The Hornet Nest, ou Le Nid de Frelon. Qui des ex-présidents français et de leurs œuvres? Ce lundi 4 juin 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique La Boîte à Archives, nous parle des ex-présidents qui ont écrit des romans. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 4 juin 2018, présentée par Julien Tarnot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Tarnot sera aux commandes de ce grand talk d'opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour 3 heures de débat et de polémique. Mise à jour, créer, tout savoir sur la République LCI.